Maintenant, le plan est à exécution pour pouvoir essayer de braquer la banque de Doublonville. Va devoir commencer à partir de maintenant. Il faudrait peut-être un plan. Et un plan, de toute façon, le plus génial qui soit. En entrant tout simplement dans le jeu, en soyant comme Franklin Simba, mais édition fils de pute de première. Eh bien, ce serait quoi dans ce cas le plan? Je veux tout savoir. Entendu alors. Dans ce cas, pour commencer, Corentin, ça sera toi dans ce cas qui va t'y coller en premier. Mais pourquoi moi? Tout simplement. Tu vas devoir dire « Oh, venez voir tout le monde, il y a Franklin et Simba qui sont là !» Et du coup, comme à tout le continent des Poké Peluches adore Franklin et Simba, à quel point ils sont comme des stars pour eux, ils voudront sûrement des certains autographes. Mais justement, tu feras dans ce cas le fan qui demandera l'autographe. Fais comme si tu veux demander un autographe. Et là, je vais jouer le plus gros des hypocrites. Et là, je pourrais m'occuper de braquer la banque. Parce que comme ça, tous les employés qui se trouvera dans la banque de Doublonville seront bien, comment dire cela, trop effrayés pour pouvoir essayer de se défendre. D'accord. J'espère qu'on va pas y arriver de mal. Faudra bien jouer le jeu. Si jamais par contre vous voulez aller à Doublonville, moi j'ai strictement rien à foutre, moi je reste ici. Hey, toi tu viens avec nous, et ne reste pas non plus dans les débris de ces sales morveux. D'ailleurs, faudrait peut-être que je pense à réparer le château parce qu'il est franchement pas du tout agréable à voir. Bon, va qu'importe, maintenant tu viens toi. Non, va te faire foutre. Immature. Feignasse. Ridicule. Eh, hey, tu me dis pas que je suis ridicule, espèce de raclure de chiottes à la face d'œuf pourri. Aïe. Niveau de colère, 200%. Rien à foutre. Feignasse détectée à 101%. S'il a envie de rien foutre, qu'il le dise tout de suite. De toute façon, il est tellement inutile. Pourquoi voulez-vous que je me trimballe ce badibou? Expliquez-moi. Pourquoi dois-je me trimballer ce badibou qui n'a envie de rien foutre, qui veut juste insulter? Il est franchement inutile sur tous les points. Souris pourrie. Tu m'appelais comment, là? Souris pourrie. Répète un peu pour voir. Souris pourrie. Flamme croix. Bon débat. Peut-être qu'il est reparti pour la région. De toute façon, il avait qu'à pas devenir chiant. Comment peut-on faire confiance à lui, de toute façon? Maintenant, il est temps d'y aller. Tu viens, Flammabot. À vos ordres. 20 minutes later. Nous y voilà. Bienvenue à Doublonville. Waouh! Oh, trop bien! Je pensais pas jouer dans une grande ville! Oh, c'est magnifique! J'aimerais bien pouvoir ne serait-ce certains magasins! Non! Mais pourquoi pas? Ça a l'air intéressant si jamais j'ai bien envie de peut-être m'acheter. Du gel hydroalcoolique! Il se paye ma tête, c'est pas possible! Ah. Tu veux faire dans ce cas, faire en sorte d'intervenir tout le monde qu'à Franklin et Simba. On va juste jouer notre propre rôle. Et à ce moment-là, tu demandes l'autographe. Et là, on bastonne tout. Ok. Maintenant, va. Ah, c'est pas possible, ça fait peur. Bonjour, bienvenue à la banque de Doublonville. Qu'on puisse faire pour vous? Souhaiteriez-vous, dans ce cas, créer un compte ou bien retirer de l'argent ou déposer de l'argent? Non, pas exactement. Quoi donc? Je voudrais vous signaler qu'en fait, les fameux duos Franklin et Simba, les héros de tous les temps, sont ici à présent à Doublonville. Oh, formidable! Je ne remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait pour nous. Ça a été le plus grand des plaisirs. Oh, faites-le entrer. Oh, je suis impatient de les voir. Je voudrais leur demander un petit autographe. Et moi donc, j'aimerais bien. Et ils vont devoir arriver d'une minute à l'autre. Les voilà! Bonjour tout le monde, bonjour. Ouais, c'est nous. C'est nous, Franklin et Simba. Oh, formidable. Oh, je pourrais avoir un autographe. Non, attendez, moi j'ai un autographe. Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux en avoir un? Flamme croix. Qu'est-ce que je viens de voir?
Est-ce qu'il vient dans ce cas à nos yeux de se débarrasser d'un fan? Qu'est-ce qui vous prend de faire une chose pareille? Et il est où dans ce cas votre respect? Tu veux votre respect? Il est là mon respect! Ouais, il est là notre respect! Oh, oh non, c'est... Je suis désolé, mais là vous commencez sincèrement à devenir vraiment hyper grossier. Je pensais pas franchement ça de vous. Non mais ta gueule, attaque lance-flamme et éclair-croix! Nom de Dieu, nom de Dieu! Here we go! Pillons tout l'argent! Tout l'argent, tout l'argent, tout l'argent, tout l'argent! Ah, parfait! Il y a pas mal d'argent ici. Non, s'il vous plaît! Fatal foot! Aïe, 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 aïe! C'est efficace! Bah non, dans ce cas, tout cet argent maintenant, on fait mes potes. Je vais devoir appeler la police! Voilà! Maintenant, transfère tout ça à Gloria. Argent transféré à Gloria. Il y a pas longtemps, enfin si, il y a très longtemps que je me suis pas autant vengé comme ça. Oh, ça c'est un plaisir. Ouais, ça je te fais vraiment pas dire. Gugu, c'est la police de Doubleville. Quoi, il y a la police? Oh, c'est pas possible. Pourquoi c'est fréquelé Simba? Pourtant vous êtes des gens très gentils. Vous êtes les héros. Eh mais héros, tu sais quoi? Moi le héros, il te fait ça. Voilà, je te montre mon cul. Oh, c'est pas beau pour mes yeux. Pour me défaire de cette affreusité. Affreusité animale. Bon, maintenant que j'ai fini de me frotter les yeux, maintenant je dois vous arrêter. Et allez, vous allez à la caisse prison. Et parce que vous êtes devenus des méchants, vous êtes devenus complètement débiles. Alors, attention, j'arrive. Pied brûleur. Queue de fer. Tête de fer. Mâchouille. Et maintenant, feu sacré. Non, c'est pas possible. Finalement, je suis revenu parce que j'avais strictement rien à foutre. Et du fait que... J'avais rien à pouvoir. Sinon, je vais me faire taper sur le doigt par Gloria. Finalement, toi, t'es revenu. Maintenant, on va pouvoir créer une espèce de carambolage. Ouais, créons un carambolage. En fusionnant les attaques. Ouais. Et si on faisait fusionner Flamme-Croix et Claire-Croix? Faut pas faire ça. Oh, espèce de chochotte. Tu voudrais pas voir un Doublonville réduit en cendres? Ouais, trop bien! Flamme croix! Éclair croix! Fusion! Attends une minute! On n'a pas de propulser Badibou et Flagabot! Non! Oh non! On a. Oh, c'est pas possible! On vient de créer un sac à carnage de bombes, on l'a fait! Mais par contre, on a expédié. Badibou et Flamiabot à notre jeu. De toute façon, qui respecte Badibou? Il est franchement ridicule, il fout rien à part nous faire des insultes, et en plus de cela, il n'aide à rien du tout. Ouais. Mais par contre, Flamiabot était quand même utile. On a quand même transféré l'argent. Ouais. Bon, j'imagine qu'il faudra rentrer. C'est parti! Attends, je reconnais cet endroit. Je connais pas vraiment mon époque en peluche, tu peux nous dire un peu plus? En fait, nous sommes tout simplement dans la région du Nice. La région du Nice? Oh, mais en plus, faut qu'on rentre à Kanto. Ouais, Kanto, ça casse pas tes maisons. Oh non! Fallait bien sûr que ça arrive. Je comprends franchement plus rien. Il faudrait un miracle en tout cas pour que qu'on puisse rentrer facilement et plus vite. Et qu'on va faire maintenant l'île des Hauts, maintenant il est saccagé à vie. Oh, sans l'espoir de retrouver Petit Phoque. Oh, mon collier est disparu. Mon collier a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a quelqu'un? Bonjour. Qui vous êtes? Moi c'est Tétarte. Et moi c'est Tiplouf. Tétarte, Tiplouf. Attendez, mais je crois que j'ai déjà entendu vos noms quelque part. Ça se pourrait. Quoi donc? Moi c'est Corentin, enchanté de faire votre connaissance. Et je voudrais vous dire que je vous ai des amis de Franklin et Simba. En même temps, je les connais bien. Ouais, moi ça fait pas beaucoup de temps, mais c'est vrai, je les connais. Oh, formidable. Je viens d'être éjecté par Mickey
Mickey, Alexis, attends une minute. Nous aussi, on a vraiment des doutes. On avait vu une vidéo à ce sujet. Si vous voulez, je peux vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Ouais, vas-y. Alors, en fait... Plus tard, Corentin a tout expliqué ce qui s'est passé. Comme ça, c'est Gloria. Gloria l'hippopotamus, oui. En fait, j'en avais déjà entendu parler de... J'avais déjà vu la vidéo à ce sujet de... Comment on appelait ça? Du fait que maintenant Franklin et Simba, ils ont pris les corps de Franklin et Simba, des copies vraiment parfaites. Mais comment peut-on savoir? Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de cela, à Doublonville, Franklin et Simba sont maintenant des véritables raclures. Enfin, je veux dire, Mickey et Lixi qui ont pris les corps. Oh non, c'est pas possible! Pas à Doublonville, c'est vraiment important! Quoi? À Doublonville, c'est là où il y a les studios de caméras, les trucs de télévision, les grandes banques, tout l'argent qui se transfère là-bas est à Doublonville. C'est si horrible que ça. Bien sûr qu'aussi que c'est horrible. Non, pas possible. La réputation de Franklin et Simba est maintenant foutue. Ouais, c'est clair. Mais il faudrait qu'on puisse retourner, je sais pas moi, peut-être à l'île des héros. C'est vrai qu'on devrait retourner à l'île des héros, mais... Ou alors à Doublonville. Personnellement, ce que je pourrais finalement penser, c'est qu'on devrait marcher un peu. Peut-être au moins ne serait-ce rentrer à Kanto. Ouais, on pourrait essayer de rentrer à l'île des héros. Mais au moins parce que là, je suis sûr que là, c'est plus possible. Il faut faire vraiment en sorte que de pouvoir sauver notre île et la réputation de Franklin Simba. Mais comment on va faire? Bah, j'ai un peu tout vu, alors... Je serais apte, dans ce cas, à faire le témoin officiel. Un témoin? Pourquoi pas? Oui. Toi qui en tant que témoin, en même temps, tu en sais tout sur par rapport à Gloria et par rapport à Mickey, le complot qui se passe. Oh oui, mais dans ce cas, juste un petit renseignement, s'il vous plaît. Quoi donc? S'il vous plaît, protégez-moi. Je ne sais pas du tout me battre. Ça me fait peur. Pas de problème. On sera tes gardes du corps. Tu peux compter sur nous. Ah, merci beaucoup, les gars. J'ai vraiment de la chance de vous avoir comme ami. Ami? Ouais, t'es franchement cool. Ouais, t'es cool. C'est juste parce que tu t'es fait manipuler par cette hypocrite de Gloria. Et en plus de ça, que Mickey te prend pour un larbin. Je voudrais plus jamais voir affaire avec eux. Maintenant, c'est terminé. Je dois me défendre jusqu'au bout. Moi, toujours vérifier. Toujours vérifier. Vous ne m'aurez pas aussi facilement. Détection, Tétarte, Tiplouf, Corentin. En action. Je veux toujours faire ça, enfant. J'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller. Mon rêve va se réaliser. Bienvenue au studio des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament. J'ai fait mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'ai déjà gagné. Bienvenue au studio des défis extrêmes. La 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 la. I wanna be famous. Je me pose quand même quelques questions, hein, concernant sur l'incident sur l'île des héros. Je connais très bien Mickey, mais... C'est vraiment bizarre que le fait que Simba a été éliminé, mais qui pourtant n'a pas réussi à défendre la maison. Qui sait, il doit avoir peut-être arrivé à quelque chose. Parce que Simba, il est très robuste, mais pas réussi à défendre, ça franchement, c'est du jamais vu, hein. Ouais, c'est clair. Mais j'aimerais bien avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? Je viens te dire un truc. Vu qu'on est alliés, tu promènes pas voter contre moi? Bah bien sûr que je voterai pas contre toi. Oh merci, tu es vraiment un sauveur. Pareil pour toi Woody, même si bon, je te connais à peine. Comment ça dépend?
Qu'est-ce que ça veut dire? T'essaies d'insinuer que je vois rien? Ouah, ouah, tu veux recevoir une baffe? Non, ouah, 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 ouah. Non, ce qu'il a voulu dire, bah, il a voulu dire que tu viens juste à peine de le connaître et que du coup, bah, ça dépend s'il veut le soutenir ou pas, ou le promettre, mais il va pas voter contre toi. Oh, c'est vrai, je peux le comprendre. Qu'est-ce que vous parlez, en fait? Bah, le fait que sur l'accident de l'Hydéro, oh, tu parles à foi lorsque, la maison de Franklin a été détruite. Ouais, j'arrête pas d'avoir des doutes là-dessus. Hein. Je peux comprendre, mais ne crois pas sincèrement qu'il faut sortir du studio, hein. Il faut respecter les règles. C'est clair. Mais si jamais on trouve la main sur Mickey, je vous assure qu'on va avoir beaucoup d'interrogations sur lui. Hein. De toute façon, c'est un crétin ce mec. Il se croit être le meilleur, il gagne, mais au final, la seule chose qu'il gagne, c'est sa grosse tête. Ouah, ouah, ouah. Ouais, ça c'est bien dit. Fais les abstérios ecclésiastiques mutants, rejoignez au stade d'élimination. Quoi? Comment ça les abstérios aussi? Je rappelle quand même qu'on va devoir voter quel membre on va devoir éliminer. Fais chier, j'avais oublié. Qu'on a perdu. Bon, bah, on se retrouve. Ah, ah. J'aurais peut-être dû prévenir qu'il y avait un... Enfin bref, ça va, Ren? Ça peut aller. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Bienvenue pour l'élimination des asticots mutants. Alors, comme vous le savez, ce sera la première fois où l'équipe des astéroïques vont devoir choisir quel membre des asticots mutants doit être éliminé. Mais en revanche, avant de commencer l'élimination, je dois quand même avertir qu'il y a un candidat qui mérite d'avoir le bonus. En tout cas, ce sera certainement pas Joe, Mario. Tu n'as pas d'immunité. Gloria, tu n'as pas d'immunité. Moustillo, tu n'as pas d'immunité. Loulou, tu n'as pas d'immunité. Ce qui voudrait dire que ce sera entre Luren et Obélix. Vous êtes en égalité. Quoi? Ouh. Ouais, c'est quand même dingue à croire. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un immunité. Donc je porte la réponse. Alors celui qui aura l'immunité sera... Obélix, parce qu'il est vraiment trop sympa. Wouhou. Ça voudrait dire que ce sera entre 6 candidats qui va devoir être éliminés. Les abstérioriques, je vous laisse la voix. Vu que Joe a été franchement une véritable... A été une véritable peste, je préfère voter contre Joe. Moi aussi, je vote contre Joe. Je vote contre Mario. Quoi? Parce que le mec il n'avait pas été sympa envers Gloria. Quoi? Mais c'était avant. C'est vrai ça. Moi aussi je vote contre Mario. Il est franchement pas très gentleman. Waouh 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 waouh. On dirait que Woody a voulu voter contre Ren. Quoi? Je croyais que tu voulais pas voter contre moi. Waouh 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 waouh. Il avait dit que le fait que tu as voulu manipuler les sentiments de Chop. Mais c'est pas du tout mangeur! Alors ça voudrait dire que tout dépend de Minako. Ce sera soit Joe ou soit Mario. Alors de... C'est... Mario, parce que franchement, il a été franchement très méchant envers Gloria. Et en plus, il est... La façon dont il a fait du mal à Peach, je sais que Peach est méchante, mais c'est pas une raison de lui faire... voilà. Quoi? Quoi? Ça veut dire que je suis éliminé? Oh non, Mario! Tu mérites pas d'être éliminé comme ça! Oh, que veux-tu, Gloria? De toute façon, je suis quand même content de participer à l'émission, surtout que je suis quand même content de te rencontrer. Merci Mario, tu vas me manquer horriblement. Un petit bisou? Ouais. Désolé, mais Mario, tu vas devoir sortir du studio. Tu pourras dire bonjour à Gloria dès qu'elle sera éliminée. Gloria, on se donne rendez-vous. Oui. Où ça? À l'extérieur du studio. Ouais, une fois quand tu seras gagnant, quand tu seras gagnant ou éliminé, je viendrai te voir. Ok. Ah! Wow!
C'est quoi ce bordel, Utaka? Gutaka, je veux dire. Pourquoi t'as balancé Mario comme ça? J'ai pas d'idée, en fait. Oh. Mario. Oh, il méritait de... Honnêtement, pas ça. Je peux le comprendre, rien. Je peux le comprendre. Ça voudrait dire que les astéroïques et les asticomutants sont en égalité. Est-ce que les asticomutants vont continuer à rattraper? On est... l'épisode n'est pas encore terminé, hein. Oh, c'est vrai. Bon, bah faudrait que je réfléchisse pour l'épreuve. Quoi? T'as même pas d'idée? Oh! J'ai quand même de la peine. J'aurais préféré voter contre Joe, mais Mario... Ina... Je crois qu'on aurait peut-être pas dû voter contre Mario. Ouais. Oh. Bah toi, tu le dis... Ouais, bah au moins, on a l'égalité entre filles et garçons pour une fois, hein. On a déjà 6 candidats qui sont féminins et 6 candidats qui sont masculins. Quoi? Est-ce qu'on a parlé? Non. Alors tu te tais. Bravo, bravo. Vous avez fait du bon travail. Le blagage est pas le fait. Mais il est où Flamiabot, Colanta et Badibou? Colanta, je l'ai expulsé. Et Badibou et Flamiabot, on a accidentellement expulsé. Quoi? Flamiabot est le robot le plus important de toutes. Et Colanta, il en sera témoin. De toute façon, il est perdu. Je veux bien vous l'accorder. Donc, là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Flanquelin et Siba sont perdus. Petit Foc est toute seule. Grand Schtroumpf, il est prisonnier. Et pour colonner le tout, l'épisode lent de Pete vs Jake ne sera jamais disponible. Oh, 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 oh. Maintenant, j'aimerais bien régler le compte avec Franklin. Ah ouais, Franklin, tu dis? Ouais. Ah, ma vengeance, enfin, il est enfin accompli. Maintenant, puisque tu as fini, qu'on a fini mes quêtes, je dois me tirer avec mes larbins. Mais ils sont où les mes larbins, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Je reprends le pouvoir de Franklin. Quoi? Non! Non! T'as pas le droit de faire ça! Mickey, tu n'es plus d'aucune utilité. Tes larbins sont devenus mes larbins. Je vole tes larbins. Lixi, t'as rien à dire? Désolé de dire ça, mais je suis sa maîtresse. Ah, bande de connasse! Si jamais je retrouve le pouvoir, je vais... Lixi, amène-le en cage. Avec plaisir. Ah! Lâche-moi, sale peste! Ah, Gloria, je vais te détruire! Je vais voir où est-ce qu'il en est pour Grand Schtroumpf. Alors, Grand Schtroumpf, va tout bien? Tu me clashes dessus? Chaud! Ce sera un double pack. Chaud! 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 Ne faites pas comme ça, d'accord? Tu ne devrais pas clasher sur une femme, ok? Mais apparemment, t'as pas l'air d'être détendu. Alors c'était donc toi depuis le début, tous ces dramas, l'histoire de Simba, Ponyjay, quoi que ça d'autre, c'était donc toi depuis le début? Vois-tu, Grand Schtroumpf, j'ai voulu... te demander quelque chose. Certes, je t'ai forcé, mais tu as intérêt de dire oui. Maintenant, tu comprends maintenant ce qui arrive si tu dis non à une femme? Parce que les femmes ont le pouvoir, les hommes ont rien. Franchement, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Les femmes et les hommes ont tous des droits, mais pas de cette façon. J'ai connu beaucoup de femmes qui sont peut-être intelligentes, mais qui donnent des ordres, mais au moins qui pensent aux hommes aussi. Toi, tu fais ça pour par dictateur.
Et alors, c'est comme ça, ça marche. Vers le gouvernement. Maintenant, Franklin Siba, leur réputation sont détruites. Ton épisode 30 ne sera jamais sorti. Et j'ai volé tes pouvoirs. Comme ça, tu pourras pas sortir. Et n'essaie pas de faire télépathie avec Mayona. Parce que ce sera impossible. La cabine de prison que tu es. Et c'est impossible de faire télépathie, même à pleine puissance. Puis de toute façon, t'as plus de pouvoir. T'es juste un vieux schnock qui vaut rien. Moi, ça qu'importe. J'espère honnêtement que la cabine t'en sort. Hein. Écoute, tu risques d'avoir des fractures si tu me fais du mal. Je suis une femme et les femmes n'ont pas besoin de fractures. Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. C'est ce qui arrive quand tu m'appelles Hippopotamus. Moi, je vais t'appeler Grand Schnock qui pue la merde. Vieux Schnock. Voilà, je te crache aussi. Enfin bref, passe un bon moment hein, vers le prison. C'est vraiment comme ça, comment je vais souffrir. Tout ça parce que j'ai dit non à Gloria. Mais il a été pète couille. Chop, Mayona, Franklin, Simba, je vous en supplie, aidez-moi. Même si je n'arrive pas à faire la télépathie à cause de cette cabine, j'espère qu'au moins, vous allez réussir à me sauver d'ici. Bon, où est-ce que j'en... Hey, mais... Ah, c'est vrai. Si tu es l'œuf de la dernière fois, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il se déplace? La dernière fois, j'ai voulu te manger, mais tu as direct disparu. Ça devient bizarre. Bon, enfin, qu'importe, c'est juste qu'un œuf. Il peut rien faire. Je dois vite me casser d'ici. J'ai été resté trop longtemps dans cet œuf. Faut vite que je m'y perde. Voilà, c'est impossible à détruire cet œuf. Alors là, franchement, celui qui a réussi à me faire transformer en œuf, il va franchement recevoir une belle raclée. Dès que je serai sorti de cet œuf. Qu'est-ce qu'il y a, Obélix? J'arrive pas à voir les autres membres des Aptéroïques. C'est une bonne question, en effet, ils sont où? Oh, Gloria, ne t'en fais pas, Mario, pense à toi après l'élimination. Oh, bonjour, les amis! Oh, merci, Loulou. Alors, vous allez comment? Oh, très bonne question. Je lui ai demandé de garder la banque. Hein? C'est ça votre épreuve. Et puis il est le faire un braquage de banque. Oh, un braquage de banque? Votre épreuve, c'est très simple. Il suffit que vous essayez de faire un braquage de banque. L'épreuve, vous devez voler l'argent. Celui qui a réussi à voler l'argent aura gagné. Mais si les candidats se font choper et aillent en prison, ils seront directement éliminés. Enfin, ce que j'étais de dire, c'est qu'ils vont direct en élimination pour le prochain épisode. Mais l'un d'entre vous aura l'immunité, ne t'oubliez pas. Hein. Donc, il est où la banque en fait? Il se trouve là-bas. C'est ça une banque? Mais y'a rien, y'a juste une simple table, ensuite juste une simple coffre là. Ce serait trop facile à prendre. Tu crois ça, bah t'as tort. Bon, enfin bref, que le meilleur gagne. Oui. Oh. Faire un braquage de banque, sérieux? Mais c'est pas du tout mon genre. Bah vas-y. Pshaw! Pourquoi t'as fait ça?
Bah, s'il veut rester dans la peinture, il n'a qu'à essayer. Garder une banque. Ce sera plutôt facile. C'est clair. On est la justice. Wouah. Ah, Boustillon. Ah, salut. Je voulais juste savoir si vous pouvez prêter quelques sous. Ta carte d'identité? Ah oui, je suis Boustillon de la région de Nice. Est-ce que les Boustillons de la région Unis savent parler français? En prison! Moi, je suis innocent! Et j'ai bien fait le rôle de en prison, hein? Du gendarmerie! Kiberly, t'es même pas le gendarmerie! Ah, d'accord. Autant pour moi. T'es juste une banquière. Mais il avait volé quand même l'argent, hein? Oh, enfin, ça nous reste plus que 5. Oh non! Moustillon est en prison! Non! Pauvre mec! Il mérite honnêtement pas ça! Bien, il faudrait que l'un d'entre vous porte volontaire pour le braquage. Une seule personne, ça pourrait pas suffire. Mais il faudrait qu'on se lisse à 5. Mais on pourrait risquer direct en prison et on risque de perdre direct des preuves. Il faudrait qu'on ait une bonne stratégique. Obélix, ça te dirait de m'accompagner pour que je puisse voler le coffre? Ok, mais je veux pas voler quelque chose, c'est trop mal. Allez, Obélix, fais un effort. Coucou tout le monde, c'est moi Lola. Vous savez, votre ami. Maintenant, tu fais même plus la tête, hein. Carte d'identité. Pas si pourtant évident, Loulou. Loulou qui? C'est go. Tu oublies ton propre nom famille, hein. Et toi, tu serais pas Obélix? T'en fais pas, Obélix. Joue le rôle. On va pouvoir gagner l'épreuve. Obélix, prends ton temps. Non, je peux pas. On allait voler le coffre. Non, je veux pas faire ça. Je veux pas voler le banque. En prison. Oh non, Obélix et Loulou sont en prison. Oh, ça craint. Bande de nuls, je te jure. Franchement, entre voler une banque et quoi que ça d'autre, ça devient franchement n'importe quoi. Ouais, mais il faudrait quand même qu'on... Oh, c'est vrai, pourquoi on n'y est pas pensé avant? C'est-à-dire? Il faudrait qu'on ait la cagoule. Bah oui, vous savez, pour cacher l'identité. Et une pistolet? Et sans oublier, une voiture de course-poursuite. Sauf qu'on n'a pas de voiture, quoi que ça d'autre. Ni de cagoule. Ni de pistolet, hein. Sauf que c'est trop violent. On va le faire à la façon... GTA. C'est exactement la même chose. Oh, c'est pas vrai. Quand veux-tu qu'on fasse quoi que ça d'autre? Je le sais. Quoi? Je vais le forcer par la main. Ren, ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, fais pas n'importe quoi. Yo, bande de salopes! Vous êtes en état d'arrestation! Prison! Non, pas casse-prison! Parce que là, vous êtes en état d'arrestation! J'ai ma main et je peux vous faire du mal avec! Aïe. Chup! Je pensais qu'on est amis! Désolé, mon gars, tu es mieux placé de savoir qu'on joue le jeu, hein! Oh! Merde! Hey! Lâche-moi! Tu mets pas dans... Non! Au! Au moins, lui, il a fait de son mieux! Je te jure, quoi! Toi qui es gentil, qui veux montrer ta bienveillance envers tout le monde, essaie si tu peux! Tu vas essayer encore de m'empoisonner, comme c'était la dernière fois? Ouais, ça fait mal. Ah, salut Gloria. Ça va? Alors, ça va? Ouais, très bien, même si bon, Mario... Enfin bref, comment ça se passe dans le banque? À merveille. On essaie de défendre, et franchement, aucun des voleurs a essayé de voler de l'argent, hein.
Alors, ça se passe comment, sinon, après l'élimination? T'en fais pas, je m'en sors malgré tout. Oh, ouais, Mario, ça doit être un chéri. Oui, exactement, hein. Sauf que Peach ne pense qu'au beau gosse. Moi, je pense en personne très sympa. Mario est vraiment rigolo. C'est ce que je vois. Eh, pourquoi tu dis « waouh » au lieu de parler directement français, Woody? Tu n'as pas écouté la dernière fois? Woody ne peut pas parler correctement. Il ne sait que dire « waouh 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 » et dire le nom exact. Ah, ouais, franchement. Bon, donc... Joe, qu'est-ce que tu fais? Tu es mieux placé de savoir qu'on essaie de faire encore une braquage de banque, hein, idiote! Casse-brido! Waouh, on a déjà gagné l'épreuve? Ça, c'était plutôt rapide! Beaucoup trop rapide! Trop rapide pour être vrai! Gotaka? Hein? Je crois pas que vous êtes piégé dans le panneau, bande de clotins. Eh, hey, mais t'es qui, toi? Je suis Gloria, la pâle feuille d'hippopotame, et vous avez réussi à mettre ces bouffons dans la cage prison. Et ce que vous savez pas, c'est que c'était prévu dans mon programme. Quel intérêt? Pour capturer Gloria, la sale peste qui a osé voler mon nom. Attends, c'est... Le Koutakin, c'était ton rôle en réalité? Non, pas du tout. En fait, Koutakin, il est en train de plan de douche. Il est là-bas. Oh, pourquoi les assiettes auront la chance de se laver? Moi, je voulais bien prendre une douche. C'est pas juste. Mais enfin, capote. Maintenant que Gloria est en prison, je vais l'emmener. Et comme ça, Gloria ne pourra plus jamais jouer au Mario Baker et jamais apparaître dans d'autres épisodes. Aïe, je me sens très mal. Ne vous en faites pas! Chop, tu n'arrives pas à l'ouvrir? Je peux essayer! Il faudrait avoir une clé. Et je l'ai! Mais où est-ce qu'il est ma clé? C'est pas vrai! Ah! J'ai perdu ma clé! Oh, c'est pas grave, je peux quand même détruire la porte! Watch! Oh! Hey, mais t'es qui toi? Gloria? Qu'est-ce que tu fais chez CI? Ah! Oh, je fais chez CI parce que cette peste-là, tu as osé voler mon nom! Je t'exècre! Ah! Oh, tu mérites d'être éliminé! Tout ça juste pour ça? Enfin, Gloria, sois quand même un peu raisonnable! Raisonnable? Tu oses me demander d'être raisonnable? Je suis la femme parfaite! Toi, tu n'es qu'une merde sans profonde! Alors là, si Mario était là, il serait directement pas d'accord avec toi. Et de défoncer! Les fermez là, bande de clotins! Bon, enfin, qu'importe! J'ai quand même quelques comptes à vous régler! Et je vous assure que vous allez tous regretter! Mais qu'est-ce que vous. Et toi, Gloria? Qu'est-ce que tu fais chez CI? Tu n'as pas été candidat? Tu vois, Gloria, il a dit lui-même que tu devais pas être candidat. Je parle de toi, l'hippopotame tardé. Quoi? Oh, désolé, l'hippopotame. Désolé. Ah, DJ, tu seras de le poser ça dans la liste. Toi, tu devais pas être candidat. Je devrais. Si cette peste de Gloria m'a pas volé ma place. C'est ridicule! Tu n'es même pas! Tais-toi! Bon, enfin, qu'importe! Je vais devant tous vous! Bon débarras! Jeff, pourquoi t'as fait ça? Bah ouais, c'est pourtant évident! Je dois quand même débarrasser cette peste! Elle n'est même pas candidate! Non mais on aurait ça si c'est elle qui a volé. Qui a,
volé, qui a kidnappé Riri, ou bien encore volé mes pouvoirs, ou sans oublier si c'est elle qui est l'origine de tout ça. Ouais, et surtout avec l'accident. J'avais pas pensé à ça. Oh, quelle journée fatigante. Mais vous êtes déjà là? Attends, vous avez déjà fait l'épreuve? Mais c'est bon. Oh, bon, t'as qu'à porter qui a gagné et qui a perdu. De mémoire, ce sont les Aptéroïques et les Aticomutants ont perdu. Obélix, je vais te tuer. Ok, d'accord. J'aurais vraiment aimé jouer à ça, mais... D'accord. Pleure pas, Goudaka. T'inquiète pas, tu pourras gérer l'émission pour une prochaine épisode. D'autant plus que j'ai déjà une prochaine saison à prévoir. Tu as raison, mon Franklin et Chap. Vous êtes franchement sympas. Mais enfin, qu'importe. Les Asticomutants ont perdu et les Astéroïques sont gagnants. Bon, t'es un candidat qui mérite d'avoir l'immunité et on se reverra pour une prochaine épisode. Je suis désolé, je suis bien placé de savoir, mais je dois quand même pleurer un bon coup. Quel pleurnichard, son président. Ah bah bravo, Obélix. À cause de toi, on risque d'être éliminé. Vivement que tu sois sorti directement. Tais-toi! Ah, Lola, je me sens étendu. Ma faim, ça mérite quand même une bonne mission. Alors, il est où la télécommande? Allez, j'aimerais bien passer sur la chaîne de Pokémon. Je sais pas. Tchic. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Johto News, présenté par Shrek Chevalier. Bonjour à tous, ici Shrek Chevalier de Johto News. Et cette fois-ci, une affaire vraiment importante. Les dernières dépêches viennent de tomber. Il se peut qu'actuellement la banque de Doublonville a été sauvagement braquée par, si je ne puisse me permettre, Franklin et Simba. Qui l'eût cru? Et pourtant, ce sont les héros du monde des Pokémon peluche qui nous ont aidés pendant plus de 20 saisons. Et maintenant qu'ils ont décidé de vouloir s'attaquer à la banque. Pour quelle raison? Aucune. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de jouer des véritables connards. Je vais dans ce cas me rendre dans ce cas à Doublonville. Mais bon, c'est à deux pas d'ici. Et nous allons interroger dans ce cas les victimes en question et de nous dire tout ce qui s'est passé. Nous allons voir ça à partir de maintenant. En un seul... fraction de seconde. Enfin bon, nous voici dans ce cas Doublonville qui apparemment... Oh, c'est saccagé de partout. Oh là 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 là. Je n'ai jamais vu une telle pagaille. Je me trouve ici dans ce cas dans la banque de Doublonville auquel je vois Grenousse et Otaquin. Grenousse et Otaquin, que s'est-il passé? Avez-vous perdu de l'argent à la banque? Absolument tout. Il y avait Franklin, Simba, et c'était franchement horrible. Et après, il y avait un certain Corentin qui était passé, qui voulait faire des autographes, et Franklin, lui a donné des attaques de type feu, à Corentin, il s'est fait expulser. Oh, ça c'est franchement... Et tout l'argent est parti. Je n'en crois pas, mes grands yeux et mes grands globules de mes petits yeux. C'est où l'idée? Dans ce cas, il se pourrait dans ce cas que Franklin et Simba auraient changé. Alors selon vous, penseriez-vous dans ce cas que Franklin et Simba feraient une chose pareille? Bah en fait, c'est pas du tout leur genre, mais je comprends pas pourquoi ça leur est poussé à faire une chose pareille. Ouais, par contre, il y avait quelque chose qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Quoi donc, Grenousse? Ils sentaient de façon bizarre, leur odeur n'est pas comme celle que je connais. Maintenant que t'en parles, peut-être. Mais bon, là, pour l'instant, là, le cas est vraiment grave. Là, on voit bien que c'est Franklin Simba en chair et en os, à 100% pur sûr. Mais c'est bizarre que leur odeur soit vraiment étrange. Une odeur étrange, vous dites? Ouais. Mystère, vous avez dit mystère. Un mystère dans ce cas est vraiment fascinant. Et par conséquent, cela dit, Franklin et Simba resteront malgré tout des personnes auxquelles... En avis de recherche, si jamais vous les trouvez, il y aura une grande récompense à la clé. Donc s'il vous plaît, si vous trouvez Franklin et Simba, normalement ils se retrouvent dans ce cas l'île des héros. Si par contre ils s'y pointent ou qu'on les trouve par ici, livrez dans ce cas au plus vite à la police de n'importe quelle région, que ce soit Kanto, Johto, Hoenn ou n'importe où. Dans ce cas, livrez-le tout de suite à la police. Et qu'on puisse en faire des études, parce que là franchement, même cette histoire d'odeur, j'y connais pas. Avez-vous d'autres suggestions à faire? Oh non, c'est mes... Par contre, maintenant, la banque a maintenant les véritables échecs.
on n'a plus d'argent du tout. Ça, par contre, c'est notre histoire. Du coup, maintenant, je vous laisse. C'était la fin du dépêche du journal de Johto. Et je vous dis bonne journée. Et retrouvez-moi ces deux zigotos. Je veux plus me les voir en peinture. Quoi? Non. Mais quel étourdis j'ai fait? Pendant que je me détendais à la région Alola, voilà que... Oh non! Mais quel crétin j'ai fait! Pourquoi je me détends ici? J'adore la région Alola, mais je suis pas venu ici pour détendre! J'ai une mission importante! Le problème, c'est comment je vais faire pour quitter la Alola? Je suis peut-être rapide, mais je peux pas... Je suis pas capable de rouler vers les mers pour l'instant. Comment je vais faire pour sauver Franklin et les autres? T'es qui, toi? Je suis Robaru. J'adore nager. Mais je m'ennuie. Ça fait plusieurs semaines que je reste à Alola. Mais voilà, j'aimerais bien aller vers la région pour me changer d'idée, alors. Hein? La région, tu dis? Ouais, la région. Est-ce que tu pourrais m'y emmener? Ouais, s'il te plaît, c'est urgent. Pourquoi? C'est un certain mission entre Franklin et Simba. Ou bien encore sauver la réputation pour prouver le problème avec le petit phoque. Je les connais pas vraiment, je viens de la région, mais... Ok, pourquoi pas, si c'est vraiment urgent. Ah, merci. Grave bien sur mon dos. Et tu es de petit feu, hein? Ouais. Alors... Je tiens à te prévenir que le voyage sera long, hein, donc tu es vraiment sûr de pouvoir tenir jusqu'au bout? Bien sûr, puisque c'est urgent. Ah bah d'accord. Direction la région de la région. Ouais, j'ai pas d'autre chose à dire. Dépêche-toi. Ok, d'accord, je fais mon mieux.